Окей. Значи ние вече сме в Facebook. Благодаря всички, които участват днеска на семинар. Ние сега започнаме пак семинар, който правихме миналата година. Днеска имаме специален гост, Брижит Мондрен, който е една от най-големи специалисти по византийска филология и византийска палеография, и която особено се е занимавала и се занимава, с 14 век. Аз съм я помолил да ни говори за как тя работи за идентификация на копистите, на византийските кописти. И тя се съгласи с удоволствие и за това много я благодарим. Сега ще казва и на френски, защото тя не разбира български. Тя ще говори на френски и тя обеща да говори бавно, за да мога да го разберем. Ако има нещо, аз мога да превеждам няколко части, ако ми помолите, ако нещо така мислите, че е важно. Обаче да превеждам всичко, мисля, че е прекалено и стана много дълго. Както винаги, ще имаме първа част реч на Брижит Мондрен, на професор Мондрен, и след това ще имаме време за дискусия, която в която аз мога да тогава да превеждам нещата. Alors, je veux remercier Brigitte qui a accepté de participer à ce séminaire. Nous sommes très heureux d'avoir un très grand spécialiste comme elle chez nous, parce que pour nous, c'est très, très important de se confronter avec les byzantinistes et non seulement entre nous, slavistes. Surtout pour la paléographie, l'alphabet cyrillique vient de l'alphabet grec, et en 14e siècle, il y a une importante influence de le minuscule grec dans le cyrillique, surtout en Bulgarie. Et alors, nous sommes très heureux d'avoir entre nous Brigitte Mondrain aujourd'hui, de Paris. Je l'ai pris de parler un peu lentement, parce que les gens, beaucoup de gens ne savent pas le français, ils savent ils parlent l'italien un peu, alors peut-être qu'il y aura besoin quelquefois que je traduis quelque chose. Oui. Et comme ça, on fait les choses en famille, un peu, comme ça. Non avec de grands rituels, mais un peu simplement. La technique nous permet de travailler dans divers pays. Nous avons ici de la Bulgarie, de la Ukraine, de la Russie. Il y a des gens de l'Italie. Peut-être de la Serbie. Alors, c'est une chose internationale très intéressante. Et encore une fois, merci à Brigitte. Je t'ai présenté en bulgare et je te donne la parole. Merci beaucoup, Marco. Rebonjour à tous et merci. De m'écouter, alors que malheureusement, je le regrette, je ne suis pas capable de parler dans une langue slave. Mais néanmoins, j'ai plaisir à parler aujourd'hui devant vous, à l'invitation de mon ami Marco Scarpa. Comme tu le disais, Marco, oui, n'hésite pas à m'interrompre si tu as le sentiment qu'il faudrait traduire au fur et à mesure. Si des questions, cela ne m'ennuie pas du tout que des questions me soient posées au fur et à mesure de l'exposé. Ce n'est pas obligatoire que ce soit seulement à la fin. Je ne me cache pas le challenge
que représente cette séance. D'une part, nous voyons par l'intermédiaire des écrans, ce qui est très pratique, comme tu disais, puisque nous sommes dans des pays différents actuellement. Mais en même temps, même si c'est un mode d'échange auquel nous nous sommes habitués par la force des choses depuis près de 2 ans, ce n'est pas le même échange convivial que lorsqu'on est tous assis autour d'une table et que l'orateur peut voir par le regard ou le visage des auditeurs les points sur lesquels il vaut mieux qu'il insiste un petit peu ou qu'il revienne. D'autre part, je vais parler devant vous qui êtes des spécialistes d'un domaine que je ne connais pas bien moi-même, puisque, comme je disais, je ne suis pas stabilisante et bien sûr, j'ai déjà regardé des manuscrits bulgares, serbes ou autres, russes, mais bon, je ne suis pas du tout spécialiste de ce domaine. Il n'empêche, comme tu le rappelais, Marco, en propos liminaire, des points de contact importants existent entre pays slaves et pays hellénophones, donc dans cet espace de l'Europe orientale, pendant la période byzantine, et tout particulièrement, on peut dire, durant le XIVe siècle, qui est la période que vous privilégiez pour les recherches que vous effectuez dans le groupe auquel tu contribues, de recherche sur la production de manuscrits et l'étude donc des copistes du XIVe siècle. Dans la production des livres, il y a des exemples bien connus qui soulignent les liens qui existent entre la facture, la fabrication de manuscrits bulgares, par exemple, de manuscrits de prestige qui ont été produits sous le règne du tsar Ivan Alexander, et les manuscrits byzantins. Ainsi, il y a la fameuse chronique de Manassès qui est illustrée et qui a été copiée pour le tsar en 1344-1345. Nous en parlions tous deux, tu m'en parlais il y a quelques jours encore, Marco. C'est donc un manuscrit conservé au Vatican. Il y a aussi, par exemple, les 4 évangiles qui ont été aussi copiés pour le même tsar en 1356, donc ce qui nous situe au milieu du XIVe siècle, un manuscrit qui est conservé à Londres. Cette période du XIVe siècle est intéressante et est particulière car elle est à la fois riche politiquement, riche religieusement, dans le cadre aussi de controverses religieuses, et riche intellectuellement. Il y a une véritable effervescence qui se manifeste dans différents champs de la production littéraire. Dans les domaines qui sont proprement littéraires, profanes, littéraires, et scientifique, cette curiosité intellectuelle, ce dynamisme, se marque par la recherche de manuscrits anciens qui conservaient des textes qui, jusqu'alors, étaient peu lus. Et donc, comme ces textes étaient peu lus, les manuscrits n'étaient pas reproduits. Donc, on a affaire au XIVe siècle à la recherche de textes dont souvent un seul livre est retrouvé par un érudit qui va contribuer ensuite à sa diffusion en le reproduisant. Donc, c'est une période à Byzance qui est essentielle. Elle se marque aussi, cette période du XIVe siècle, par la composition, l'écriture de nouveaux ouvrages, de textes nouveau dans les différents champs du savoir et également par la traduction de textes qui avaient été écrits tout d'abord en latin, en arabe ou en persan. Pour ces deux dernières langues, l'arabe et le persan, ce sont tout spécialement des textes scientifiques, ainsi tout particulièrement
en astronomie ou bien des textes médicaux qui prouvent qu'il y a une appropriation d'un savoir étranger à Byzance, c'est-à-dire qu'il y a eu une réception assez nouvelle dans la culture byzantine d'un savoir qui venait de l'extérieur. Cette ouverture au monde extérieur est due pour une bonne part au travail que des savants ont effectué, des savants qui ont voyagé dans le monde qui les entourait pour acquérir de nouvelles connaissances, des savants qui ont lu des livres dans des langues autres que le grec et qui les ont traduits en grec pour certains d'entre eux. Il y a interruption, c'est bien. Cette ouverture se manifeste également dans le domaine théologique et l'on peut penser aux nombreuses traductions depuis le latin qui ont été effectuées à partir de la fin du XIIIe siècle, tout particulièrement. Et je voudrais juste évoquer ici les travaux d'un érudit encyclopédique qui est très célèbre et qui est Maxime Planude, qui a vécu jusqu'au tout début du XIVe siècle. Je citerai simplement, là maintenant, sa traduction en grec du De Trinitate de saint Augustin. Néanmoins, dans le domaine religieux et théologique, le milieu du XIVe siècle et la période suivante s'illustrent surtout par des controverses violentes qui opposent une partie des intellectuels byzantins sur les modalités de la mise en œuvre de la foi à partir des enseignements dispensés par Grégoire Palamas. Et ces controverses byzantines ont une incidence aussi dans le monde slave et il n'y a pas meilleur connaisseur de ces questions que toi, Marco, évidemment. Ces querelles occupent une bonne place du XIVe siècle. Elles ont aussi une incidence sur l'étude que l'on peut faire des livres qui ont été copiés à cette époque. Je voudrais pour examiner avec vous quelques exemples qui peuvent être illustratifs sur le plan de la méthodologie. Mais en faisant cela, je voudrais envisager en deux temps la problématique de l'identification des copistes à Byzance. Premièrement, dans une approche historique qui m'aidera à illustrer sur quels fondements on peut effectuer l'identification de copistes qui sont au travail dans les manuscrits. Deuxièmement, je voudrais à partir de là m'efforcer de définir quelques points importants qui peuvent guider le lecteur quand il essaie d'établir des liens entre les manuscrits. Le chercheur, il cherche à mettre en évidence, et que vous soyez dans le domaine slave, que vous étudiez des manuscrits écrits en slavon ou que vous étudiez des manuscrits écrits en grec, c'est la même problématique. Il s'agit de mettre en évidence que de mêmes scribes sont intervenus pour copier des manuscrits différents ou bien qu'ils sont intervenus pour les lire et donc peut-être les annoter au fil de la lecture, ce qui contribue à donner des jalons solides dans la reconstitution de l'histoire des textes et aussi dans la reconstitution de l'histoire de la culture. Dans le domaine byzantin, des études ont été consacrées depuis longtemps à la question de l'identification des scribes. Et la première image diapositive de mon PowerPoint l'illustre, je vais en parler tout de suite, mais avant déjà à Byzance même. Au début du XVe siècle, Jean Cortasmenos, qui est un savant, un professeur à Constantinople, qui est bien connu très largement pour avoir
fait une transcription du plus célèbre manuscrit de Dioscoride conservé à Vienne, en Autriche, en transcrivant un texte très bien illustré donc, de la matière médicale, donc du recueil de plantes, de pharmacopée de Dioscoride, écrit au début du VIe siècle en écriture majuscule, et il a lui-même opéré une transcription en écriture minuscule pour ses contemporains qui n'arrivaient plus à lire la majuscule. Jean Cortas-Ménos, c'est en même temps le maître de personnages qui sont devenus célèbres ensuite, par exemple le cardinal Bessarion, Marcos Eugnikos, Yorgios Scholarios. Et dans un livre, il écrit ainsi, en regard d'un passage, que, ah là, oui, cela a été copié par un personnage célèbre. C'est-à-dire que cet érudit du début du XVe siècle, de la fin du XIVe et du début du XVe siècle, s'intéresse à savoir qui a copié et lu un manuscrit que lui-même utilise. Un peu plus tard, on voit que son disciple, Bessarion, venu à Venise, devenu cardinal de l'Église Vatican, son disciple Bessarion identifie dans un de ses livres l'écriture du copiste. Il note que ce manuscrit important de l'anthologie grecque a été copié par Maxime Planude. Or, Maxime Planude a vécu un siècle et demi avant lui. Et en précisant cela, le cardinal Bessarion donne une valeur encore plus grande au texte qui est transmis par le manuscrit. Donc, certains érudits byzantins manifestent un goût pour l'identification des écritures, en montrant que ce n'est pas seulement le livre et son contenu qui les intéressent, mais aussi le contexte dans lequel le livre a pu être copié et donc précisément par qui éventuellement il a pu être copié. Mais c'est surtout à l'époque moderne qu'une étude plus systématique apparaît dans l'effort d'identification des copistes. Il y a une spécificité du domaine byzantin dans la mesure où une nouvelle science est créée en France au tout début du XVIIIe siècle. Le moine byzantin, bénédictin, pardon, pas byzantin, mais bénédictin, de la congrégation de Saint-Maur, Bernard de Montfaucon, qui a donc vécu entre 1632 et 1707, fait paraître à Paris, peu de temps donc après sa mort, le livre paraît, en 1708, un livre intitulé « Paléographia Graeca, sive de ortu et progressu literarum graecarum ». Par cet ouvrage, Montfaucon crée un nouveau mot, le mot de « paléographia » en latin, une « paléographie » en grec, qu'il emploie aussi, un mot qui aura le succès que nous connaissons tous. En même temps, par-delà la nomenclature, il crée une nouvelle discipline qui est consacrée à l'étude des écritures grecques. On peut dire que la paléographie est le pendant d'une autre discipline qui avait été fondée un peu auparavant par un autre érudit bénédictin de la congrégation de Saint-Maur. En 1681, donc en 1681, Jean Mabillon avait écrit le De Re Diplomatica, qui crée l'étude des documents, la diplomatique dont deux buts principaux, essentiels, sont d'une part la datation des documents et d'autre part ce qui est lié à la datation, le repérage, l'identification de faux documents. Dans le domaine des chartes, des actes, évidemment, la recherche du faux joue un rôle essentiel.
dans la Paleographia Graeca, l'ouvrage de Montfaucon, la question principale qui est posée par le savant n'est pas celle de reconnaître et identifier de faux documents. Cette problématique ne représente pas un enjeu important dans l'étude des manuscrits. L'étude des écritures a avant tout pour but de dater les manuscrits, pour les situer dans le temps et pour les placer les uns par rapport aux autres. En effet, une grande activité des savants mauristes, de ces savants bénédictins, est l'édition de textes théologiques grecs. Ils ont, tout particulièrement, conduit la grande entreprise de l'édition intégrale des œuvres du polygraphe Jean Chrysostome. Le résultat, ce sont 13 volumes in folio qui ont paru entre 1718 et 1738. Or, la tradition manuscrite de Chrysostome présente une particularité. Le succès très important qu'ont connu plusieurs de ses œuvres, homélie ou autres. Ce succès des œuvres de Chrysostome est évident en raison du nombre très élevé des manuscrits qui les contiennent et l'enjeu pour des éditeurs d'époque moderne était de savoir comment il fallait considérer ces nombreux manuscrits en les situant de manière relative dans le temps pour déterminer des éléments de l'histoire des textes et pour éliminer des témoins plus récents qui n'apportaient rien à l'établissement de ce texte. Montfaucon, à ce titre, a été lui-même très impliqué dans l'édition du vaste corpus de Jean Chrysostome. Mais indépendamment de cette tâche, il s'est pris de passion pour l'étude des manuscrits, non seulement en tant que porteur d'un texte, mais en tant qu'objet matériel. La reconstitution de l'histoire des manuscrits, met-il en évidence, permet de mieux comprendre le rôle qu'ils ont dans la transmission des œuvres. Il a lui-même beaucoup voyagé à travers l'Europe, et il a visité un nombre incalculable de bibliothèques, principalement en Italie, ce qui lui a donné une expertise sans égale grâce à l'examen direct des livres. Sa façon de travailler témoigne combien le fait de regarder directement les manuscrits est un élément déterminant pour comprendre leur particularité. Je crois que c'est un élément... La manière de travailler d'un Montfaucon en une époque où les possibilités étaient différentes d'aujourd'hui est quelque chose encore de très important, c'est-à-dire que l'expertise des écritures et la connaissance de main se fait par l'examen du plus grand nombre possible de livres que l'on peut regarder au mieux directement. Son point de départ a été de prendre en considération les manuscrits datés, en s'efforçant d'en dresser un inventaire exhaustif. Ce travail est effectué sur la base de ses relevés personnels, mais aussi grâce aux catalogues qui existaient déjà, par exemple le catalogue des manuscrits de la Bibliothèque impériale de Vienne, en Autriche, qu'avait établi Lambeck au XVIIe siècle, et qu'il cite souvent dans sa Paleographia Graeca. Ces manuscrits datés deviennent ensuite une base de confrontation pour aider à dater les écritures des manuscrits beaucoup plus nombreux qui ne sont pas explicitement datés. Et je vais vous mettre la seconde diapositive. Et moi, voici la seconde planche. Il explique bien que c'est
Je ne vais pas regarder l'ensemble de la citation, vous pouvez regarder, c'est dans son ouvrage à la page 308. Il apprend à déterminer l'âge des manuscrits, comme il dit, ex tractatione assidua. C'est un point important. Donc, c'est là que l'on voit comment il travaille. Alors, il dit aussi, prolatis singularum aetatum graecis caracteribus. Et l'on voit comment il regarde le tracé des lettres pour déterminer la datation. Et en même temps, on va le voir aussi pour éventuellement déterminer qui sont les scribes qui ont copié les livres. Les manuscrits grecs, byzantins et après Byzance, sont en effet quelquefois datés dans la souscription, dans le colophon qu'un copiste a pu noter à la fin de son travail, une fois qu'il achève la copie d'un texte ou d'un livre. À peu près un dixième des manuscrits porte une souscription dans laquelle le copiste, le plus souvent, indique son nom et en même temps la date à laquelle il finit le travail de copie. Mais on a beaucoup de manuscrits dans lesquels figure seulement le nom ou la date. Le lieu où a été effectué le travail de copie, le nom du commanditaire, sont beaucoup moins fréquents. C'est donc essentiellement sur la base de ces colophons, de ces souscriptions, qu'il s'avère possible d'identifier l'écriture d'un copiste donné en lui attribuant un nom. Et à partir de là, il devient possible aussi de reconnaître l'écriture de ce scribe dans un autre manuscrit ou dans plusieurs autres manuscrits. Montfaucon en fournit des exemples intéressants. Dans les pages, j'espère que vous voyez, c'est assez grand. Vous arrivez à peu près à lire, je peux peut-être, je ne sais si je peux augmenter le format. Voyez-vous à peu près? Là, c'est peut-être mieux. Donc, dans les pages 94 à 108 de la Paleographia Graeca, il établit une liste de copistes qui ont un nom, Nomina Calligraphorum Ordine Alphabetico. Ces noms, dans l'ordre alphabétique, sont donnés en latin, comme vous pouvez le voir à l'écran, dans une transcription latinisée du grec, Ioannes, Georgius, vous voyez ici Andreas, Alexius, etc. C'est le prénom qui est pris comme guide, car le nom propre est loin d'être généralisé. D'ailleurs, c'est la pratique qui est demeurée jusqu'à aujourd'hui. Et c'est logique. Donc, il y a un nom propre et donc le prénom est le guide. Mais lorsqu'il y a un nom propre, Montfaucon le note dans l'index avec un renvoi au prénom du scribe. C'est ainsi que l'on a Tsikandines renvoie à Manuel ou Louloudès renvoie à Michael. Page suivante. Je ne sais pas, je manie beaucoup moins bien. Je n'arrive pas à manier comme d'habitude. Voilà. Mon PowerPoint. Je ne sais pas ce que j'ai fait comme manipulation. Alors, là, nous avons la page 95. Donc, nous sommes dans cette liste de copistes dont je vous montrerai la page entière tout de suite. Et en regard, nous verrons les pages consacrées à la liste des manuscrits datés qu'a identifié Montfaucon. À la page 95 paraissent plusieurs athanases, donc j'ai pris un détail de la page. On voit que l'on a Athanasius, Alter, Monacus, Scripsit, je vais essayer de vous le mettre en évidence avec la flèche là, Scripsit
Lexicon duobus tomis, anno 1273. Il continue, quod nunc extat in bibliotheca regia, il ajoute, is ipse, c'est Athanase donc, qui a copié un manuscrit qui se trouve, un manuscrit lexical, qui se trouve dans la bibliothèque royale, donc la Bibliothèque nationale de France aujourd'hui, alium codicem scripsisse putatur. On pense qu'il a copié un autre manuscrit, voire à cette même année. Donc, on a sur la droite l'année 1273 que vous devez voir. Et là, on voit qu'il y a l'édition de la souscription d'un manuscrit de contenu lexical, qui est en fait un etymologicum magnum. Aussitôt, après, Montfaucon présente dans son texte un autre manuscrit qui se trouve un peu par hasard être voisin sur l'étagère dans la Bibliothèque royale de France, un peu par hasard, mais aussi par le fait même que c'est également un manuscrit lexical. Ce manuscrit, à la différence du premier, n'est pas daté, le premier est daté de 1273, il n'est pas non plus signé, le premier est signé d'Athanase. Mais Montfaucon écrit, et Eusdem, j'espère que vous pouvez le voir à l'écran, ici. Ça va, Marco, c'est lisible? Oui, merci. Eusdem Athanasii manuscriptus, ut ex caractere liquidum, est item bombicinus et lexicon. Dans cette remarque que fait Montfaucon, il me semble qu'il y a plusieurs éléments intéressants qui méritent d'être mis en valeur. C'est, d'après l'écriture, que Montfaucon propose d'identifier le copiste, ut ex caractere liquidum. C'est par la façon d'écrire les lettres que c'est évident, c'est liquidum, c'est clair. Mais il précise aussi que la matière employée pour fabriquer le livre est la même. C'est du bombycin, en fait, ce que l'on n'appelle plus maintenant du bombycin, mais du papier oriental. C'est manifestement un indice aussi qu'il a guidé pour rapprocher les deux volumes et qui met en évidence l'importance de l'examen du livre. Et c'est un point aussi, je pense, de méthode important de voir aussi le côté codicologique dans l'étude des écritures. Un complément indispensable est aussi l'étude de la codicologie, où se trouve l'écriture, dans quel contexte elle est copiée. D'autre part, bien sûr, là, il souligne que les deux manuscrits présentent un contenu lexical, ce qui est un point supplémentaire qui incite à les rapprocher. Si l'on reste dans la liste des manuscrits datés, mais là je n'ai pas de reproduction à vous montrer, page 73 de cette Paleographia Graeca, pour un manuscrit daté de 1384 et qui est conservé aussi dans la Bibliothèque royale. Évidemment, Montfaucon connaissait particulièrement bien la Bibliothèque royale car il pouvait aisément accéder au manuscrit et pouvait même d'ailleurs en emprunter chez lui pour ses travaux éditoriaux. C'était une heureuse époque. Dans ce manuscrit, à la fin, il nous dit il y a la date 1384. Mais, ajoute-t-il, non eadem quidem manu, sed eiusdem pene temporis. Elle n'est pas de la même main, mais à peu près de la même époque. Il a donc bien conscience, là, que la datation est un jalon pour la connaissance du manuscrit, mais il nous précise, et ce qui est essentiel, que la souscription n'a pas été copiée par le scribe lui-même. C'est un élément important. Donc, dans l'identification, on a une date. Bon, là,
il y a un problème. Et c'est un problème que l'on peut trouver aussi dans d'autres souscriptions qui, me semble-t-il, attirent notre attention sur ce point. On peut avoir des souscriptions qui donnent un nom de scribe, mais il faut toujours envisager que la souscription n'est pas nécessairement copiée par le scribe qui est responsable de la copie du texte précédent. Donc, il faut être prudent quant à l'attribution à certains scribes de manuscrits avec lesquels ils ont un lien, mais qu'ils n'ont peut-être pas copié eux-mêmes. Enfin, dans les faits, il est vrai que le plus souvent, il y a une correspondance entre la main responsable de la souscription et la main du texte, mais c'est un fait que ce n'est pas toujours ainsi. Donc, dans la méthode qu'il met en œuvre dans sa Paleographia Graeca, Montfaucon accorde de l'importance aux tracés particuliers qui permettent d'identifier plus aisément le travail d'un copiste donné, mais son travail, avant tout, a pour but de dater les manuscrits plus que d'identifier des copistes précis. Il pose néanmoins des jalons décisifs pour les études ultérieures. C'est exactement 200 ans plus tard que paraît un ouvrage, à un an près de 100 ans, qui est consacré aux copistes de manuscrits grecs. Le livre de Maria Vogel et Victor Garthausen, Die griechischen Schreiber, je vais essayer de vous le montrer, Des Mittelalters und der Renaissance, les copistes grecs du Moyen-Âge et de la Renaissance, paraît en 1909. C'est en fait un travail qui a été réalisé par Maria Vogel, d'où la présence de son nom en premier lieu, sur la base des dossiers qu'avait rassemblé le grand paléographe Victor Garthausen. Victor Garthausen avait confié ces dossiers à Maria Vogel pour qu'elle en tire le meilleur. Elle en tire le meilleur, les utilise, mais elle-même, précise-t-elle dans la préface, a complété ce travail en examinant un certain nombre de catalogues et également des éditions critiques d'auteurs dans lesquelles la tradition manuscrite est étudiée. Comme elle l'écrit dans sa préface, en réalité, ce travail est fondé sur un matériel imprimé, by dem bisher gedruckten Material, sur ce qui est déjà imprimé. Donc, il n'est pas fondé sur un examen direct par l'auteur des données qu'elle fournit. Les noms dans cet ouvrage sont donnés dans l'ordre alphabétique, comme chez Montfaucon. Mais comme vous voyez à l'écran avec ces deux pages en regard, on a ici des caractères grecs. Ici aussi, comme chez Montfaucon, on a une entrée pour les noms propres, selon le même principe, avec un renvoi au prénom des scribes. Donc en fait, 200 ans plus tard, finalement, on voit le poids qu'a eu l'ouvrage pionnier de Montfaucon. La structure est tout à fait parallèle à celle de la paléographie grecque. Les manuscrits étudiés dans cet ouvrage sont ceux qui ont été copiés jusqu'à la fin du XVIe siècle, Mittelalter et Renaissance. Les manuscrits ultérieurs ne sont pas du tout pris en compte. Ça, c'est aussi un point qui est important. Aujourd'hui encore, cet ouvrage est un livre utile, mais il a été pour une bonne part supplanté par une entreprise qui a été conduite sur des bases différentes, le Repertorium der griechischen Kopisten, avec sous-titre 800-1500, 800-1600. Je vais le présenter brièvement. Marco m'ayant dit il y a quelques jours un exposé entier
lui sera bientôt consacré dans le cadre de votre séminaire. J'ai abrégé quelques éléments. Trois tomes du Repertorium der griechischen Kopisten ont paru jusqu'à présent. Un quatrième, à peu près terminé, depuis bien longtemps, devait paraître, mais une suite de difficultés éditoriales, malheureusement, en a empêché jusqu'à présent la publication. C'est une entreprise qui a été lancée par l'Académie der Wissenschaften autrichienne et qui a été conduite par Ernst Gamilschek, qui a longtemps été directeur du département des manuscrits de l'Österreichische Nationalbibliothek. Gamilschek est un remarquable connaisseur des manuscrits, de la Renaissance en particulier, mais pas seulement. Le collaborateur premier de l'entreprise est un autre chercheur hors pair sur les manuscrits, Dieter Arlfinger, qui était professeur à l'Université de Hambourg. Pour le troisième tome, un chercheur italien, également émérite dans l'étude des manuscrits, qui a été formé en particulier à l'école de Dieter Arlfinger et qui est professeur à Venise, Paolo Eleuteri, a apporté son concours. Les trois tomes ont paru en 1981, 1989 et 1997. Ils sont chacun consacrés à un domaine géographique précis, la Grande-Bretagne pour le premier, la France pour le second, Rome et le Vatican pour le troisième. Cet agencement informe aussitôt sur les modalités du travail. Tous les manuscrits de toutes les bibliothèques étudiées dans ces volumes ont été examinés directement, en règle générale, par les deux ou les trois collaborateurs, à quelques exceptions près, qui sont signalées en regard des identifications qui sont proposées. C'est-à-dire que l'on retrouve là un volume ou des volumes qui ont la même visée que l'ouvrage de Vogel-Gartenhausen, mais qui reprennent la méthode de travail de Montfaucon, c'est-à-dire un examen direct des livres. Chaque tome est composé de trois volumes. Le volume 1 et le volume 3 sont les plus importants. Le premier, car il offre... Je pensais que j'avais une plume, j'ai oublié de la... Je vous montrerai tout à l'heure. Le premier et le troisième, donc le premier, car il offre des informations sur les faits, il donne des éléments qui permettent à tout lecteur qui le souhaite d'approfondir la recherche. Le troisième réunit pour presque chacun des copistes une planche de son écriture qui est un guide précieux pour les recherches à venir. Dans le tome 1, on a un classement alphabétique semblable à celui de Vogel-Gartenhausen. Les noms des scribes sont donnés en caractère grec, comme chez Vogel-Gartenhausen, et ils sont suivis de plusieurs éléments d'information, la biographie du copiste, telle qu'elle peut être reconstituée sur la base des travaux bibliographiques mentionnés ensuite, et surtout une liste de manuscrits présents dans les bibliothèques étudiées. Mais il y a une différence fondamentale. Toutes les attributions qui sont indiquées correspondent bien en premier lieu à des manuscrits qui sont explicitement signés, mais cela représente un nombre très réduit des manuscrits qui sont mis sous le nom de chaque scribe. À partir des manuscrits dont l'attribution est certaine, la plupart des manuscrits qui sont mentionnés dans le répertorium sont le fruit d'une identification de main qui a été opérée par les chercheurs qui ont pris les livres et ont feuilleté folio par folio tous les manuscrits dans les bibliothèques où ils ont travaillé plusieurs mois. On a donc un résultat magnifique, un travail très neuf, remarquable, mais dans lequel le lecteur dépend
de l'œil paléographique, c'est-à-dire l'œil paléographique, la capacité paléographique qui est très bonne des auteurs des volumes. Mais cela signifie aussi que parfois, rarement, une attribution peut se révéler douteuse ou même fausse. Bon, toute recherche peut donner lieu à quelques erreurs, surtout quand on voit la masse d'informations rassemblées. Et assez souvent, avec le temps qui passe depuis la publication du dernier volume, et grâce justement aussi au matériel incomparable qu'ont fourni ces tomes du répertorium der Griechischen Kopisten, de nouvelles identifications ont pu être effectuées, des identifications et pourront être effectuées, des identifications d'autres manuscrits copiés par des scribes identifiés dans les volumes du répertorium, mais aussi des attributions à des copistes qui ne figurent pas dans le répertorium. Donc, en quoi le répertorium der Griechischen Kopisten donne-t-il une impulsion extraordinaire à la recherche grâce à la réunion intelligente de données complémentaires? Et l'on peut dire que le développement, depuis la parution du dernier tome, le développement de la numérisation, mise en ligne des manuscrits de nombreuses bibliothèques, permet aux lecteurs de ces ouvrages de former à son tour son œil paléographique en complément de l'examen direct des manuscrits, là où ils sont conservés. J'insiste sur cet aspect, le travail sur les manuscrits numérisés me paraît ne pouvoir être qu'un complément au travail de recherche sur les livres eux-mêmes. L'appréciation d'une écriture mérite souvent d'être effectuée en prenant déjà en compte le format du livre. Quand on a une écriture à l'écran, je vais en montrer une sur laquelle nous reviendrons bientôt. Quand on a une écriture à l'écran, on l'apprécie, mais on ne l'apprécie pas de la même manière quand on voit le livre, avec la mise en page, avec la taille des marges, avec le module, avec la taille même de l'écriture. Et ce sont des éléments qui sont souvent importants pour identifier à coup sûr la même main dans d'autres manuscrits. Pour cette raison, il est important de noter que les planches qui sont offertes dans le volume 3 du répertorium, et là donc la planche que je vous donne est justement tirée du répertorium, vous voyez que c'est un choix qui a été fait par les auteurs de donner non pas un passage de page, mais une page entière qui permet justement de prendre conscience des particularités de l'écriture dans leur ampleur, dans la page entière. Et le plus souvent, ce n'a pas été tant le cas dans le premier volume, mais il y a un effort pour reproduire à l'échelle, quand c'est possible, les manuscrits, puisque c'est un élément important. Mais vous voyez en bas de cette page qu'il est indiqué que c'est une reproduction à 85% ou à 80%, ce qui est un élément important. Ce manuel de Sikandulès est un copiste pour lequel j'ai de la sympathie, qui joue un rôle important, qui a travaillé beaucoup pour l'empereur Jean VI Cantacuzène et qui joue un rôle aussi par rapport à la controverse Palamite, dans la mesure où il a copié un certain nombre de textes qui en relèvent, et pas seulement des textes profanes importants. Dans l'entreprise du répertorium, je vais vous montrer une autre planche. Donc là, c'est la page, c'est celle du répertorium qui est tirée du fameux livre de Job, dont je vais vous montrer maintenant une page plus belle, tirée du manuscrit. Donc c'est un des rares manuscrits de cette époque du XIVe siècle qui sont si joliment illustré, c'est le fameux livre de Job. Le volume 2 du répertorium der Griechischen Kopisten permet d'aborder un autre point de la méthodologie dans l'identification des copistes. Il me semble être le volume qui est le plus objet
mérite d'être le plus objet de réticence et qui est le plus sujet à caution. Je trouve qu'il n'est pas très satisfaisant dans la mesure où les informations qu'il regroupe peuvent tromper des chercheurs qui ne sont pas encore suffisamment aguerris et qui voudraient, sur cette base, entreprendre d'identifier des copistes. Comme vous le voyez avec cet exemple, là, vous avez, donc dans ce volume, vous avez les Paleographische Charakteristika, les caractéristiques paléographiques, c'est-à-dire que sont réunies des particularités graphiques de la main des scribes qui ont été identifiées, qui sont reproduites par un dessin fidèle de grande qualité, des tracés de lettres, de ligatures, des abréviations, des modalités d'accentuation. Par exemple, il est précisé avec attention s'il y a des trémas sur la lettre iota ou sur la lettre ypsilon. Mais ces caractéristiques sont souvent relevées sur une base étroite, seulement quelques folios d'un manuscrit et même quelquefois seulement un folio, si bien qu'elles peuvent être trompeuses. Et je reviens sur ce que nous voyons avant avec la planche précédente, l'allure générale de la page est un élément déterminant pour parvenir à une identification sûre des copistes en tenant compte des divers tracés qui en soi peuvent être banals, mais c'est la réunion quelquefois de tracés qui peuvent être un peu banals qui rend une écriture particulière et son identification pertinente. Donc, cette entreprise très originale du Repertorium der Christian Kopisten aide à mettre en évidence des points essentiels dans le travail d'identification des scribes. Ce sont des points qui s'appliquent au domaine des manuscrits grecs, mais qui peuvent aussi être considérés dans d'autres domaines linguistiques et culturels. J'ai souligné que les auteurs du Repertorium sont en particulier de remarquables connaisseurs des copistes de la Renaissance, du XVIe siècle tout spécialement, un moment où la différenciation des mains est assez difficile à opérer, comme l'avait noté avec justesse Paul Canard, qui était conservateur des manuscrits grecs à la Bibliothèque Vaticane. À ce moment, à la Renaissance, au XVIe siècle, les scribes travaillent en Occident, pour le plus grand nombre d'entre eux, là où ils sont venus se réfugier. Ils copient bien souvent pour des commanditaires occidentaux, qui veulent lire des textes grecs, mais qui aussi, assez souvent, veulent se constituer une bibliothèque de prestige plus qu'une bibliothèque de lecture à proprement parler. Ces scribes travaillent donc volontiers dans des ateliers de copie et c'est finalement à cette époque que l'on peut plus aisément mettre en évidence des ateliers dans lesquels l'écriture des uns peut influencer l'écriture des autres, c'est-à-dire que cela rend quelquefois complexe de différencier des mains. Mais on voit qu'au XIVe siècle, la situation est un petit peu différente, mais le Repertorium permet de mettre en évidence qu'il y a aussi un grand nombre de copistes qui ont déjà été identifiés avec un nom. Et on se rend compte, quand on examine attentivement ces scribes du XIVe siècle, que la différenciation des mains peut être aussi une problématique délicate, car ils travaillent de manière différente. Ils ne copient pas des manuscrits avant tout pour gagner leur vie, comme ceux de la Renaissance. Ce sont des érudits souvent qui copient les textes pour les étudier ou pour les diffuser. Mais l'on voit à cette époque qu'il y a un phénomène très fréquent, en particulier pour la copie de manuscrits profanes, plus que pour des manuscrits de contenu religieux, la copie en groupe, c'est-à-dire une collaboration de plusieurs scribes pour copier un livre. Et l'on voit à ce moment-là
qu'il y a quelquefois une grande difficulté à aussi différencier les mains, et l'on se rend compte aussi de l'influence que peut avoir l'écriture d'un maître sur ses disciples. Il y a une collaboration entre des personnes qui sont proches, et dans l'identification des mains, quelquefois on se rend compte que, somme toute, ce que l'on a pris pour l'écriture du maître est peut-être l'écriture d'un de ses disciples qui, un peu inconsciemment, imite l'écriture du maître. Et c'est un phénomène qui est en particulier très sensible pour l'érudit Maxime Planude que je mentionnais tout à l'heure, qui est mort au début du XIVe siècle et auquel sont attribués certains manuscrits qui, dans les faits, ne sont peut-être pas tant copiés par lui que copiés dans son entourage. Donc, on touche là à la question récurrente, et j'arrive vers la fin de mon exposé peu à peu, à la question récurrente qui est liée à l'identification des écritures. Dans le répertorium des copistes grecs, dans le tome 3 consacré donc à Rome et à la Bibliothèque Vaticane, plus de 600 copistes sont envisagés sur la période qui va de 800 à 1600. Je n'ai pas compté précisément le nombre de ceux du XIVe siècle qui sont dans ce groupe. Je pense que cela représente un bon lot, je dirais peut-être 80 à 100. Mais ce qui est significatif et qui est important, c'est que ce sont uniquement des copistes non anonymes. Et bien des scribes connus, mais des auteurs du répertorium, mais qui ne sont pas intervenus dans les manuscrits conservés dans les bibliothèques qu'ils ont étudiés, ne figurent pas dans le répertorium. De plus, donc, il y a d'une part dans les répertoires les manuscrits connus, mais qui ne sont pas dans les manuscrits, les copistes connus, mais pas présents dans les manuscrits étudiés. Il y a d'autre part tous les scribes dont l'écriture est peu à peu clairement circonscrite par les chercheurs, mais qui n'ont pas encore un nom, qui sont anonymes. Et la période du XIVe siècle est à ce titre, pour les byzantinistes, particulièrement riche, car on a des réseaux d'érudits qui sont assez bien connus, on pourrait dire qu'ils sont de mieux en mieux connus. La plupart des manuscrits de cette époque du XIVe siècle sont parvenus jusqu'à nous, et d'autres outils sont à notre disposition pour repérer de nouveaux scribes qui n'ont pas signé leur travail, même s'ils interviennent dans plusieurs livres qu'ils ont copiés. On a d'une part la littérature. Nous avons ainsi plusieurs recueils de lettres qui nous font connaître les noms de personnages. Il est parfois possible de retrouver au travail dans les manuscrits, même s'ils n'ont pas signé, grâce à l'étude de l'histoire culturelle, par le fait que l'on sait qu'ils s'intéressent à tel ou tel champ scientifique ou autre, on peut avoir des indices pour les identifier. D'autre part, nous avons à cette époque un certain nombre de manuscrits qui se présentent comme des manuscrits d'auteurs, des brouillons même parfois, avec leurs ratures, qui sont un indice fort pour aider à attribuer la copie à l'auteur même du texte. Et sur ce plan, il y a de grands progrès qui se font et peuvent encore être faits. C'est un champ qui, en réalité, a été développé tout d'abord il y a un siècle à peu près par les travaux pionniers d'un chercheur remarquable, Giovanni Mercati, qui a travaillé beaucoup à la Bibliothèque Vaticane, le cardinal Giovanni Mercati. La Bibliothèque Vaticane, qui a d'ailleurs un des fonds les plus riches en manuscrits liés à la controverse palamite, et donc justement où l'on trouve de ces brouillons d'auteurs qu'il a étudiés à la perfection. Par-delà aspects que je voulais mettre en évidence, il y en a un qui me paraît ne pas devoir être oublié
par-delà les caractéristiques paléographiques, j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure avec Montfaucon, et c'est sur ces points que je terminerai mon exposé. La codicologie me semble intimement liée à l'analyse paléographique dans deux directions. J'ai déjà parlé du texte écrit sur la page, de la mise en page, de la taille de l'écriture, de son module. Il y a aussi des habitudes de copiste qui peuvent être très intéressantes à retenir, à relever. Par exemple, la façon de noter les signatures des cahiers, de marquer comment le début ou la fin d'un cahier. Il y a, par exemple, ici des chiffres ordinaux écrits en toutes lettres ou pas. Ou bien la façon d'écrire des appels de notes, de petits indices qui peuvent être ténus, mais qui peuvent devenir décisifs, d'une part pour distinguer des mains voisines, parce que j'ai parlé de la différenciation des mains jusqu'à présent. Mais il y a un point également qui est important, c'est celui de l'identification de scribes qui ont recours à la digraphie, c'est-à-dire qu'ils sont capables, selon le type de texte qu'ils copient, s'ils copient par exemple un texte théologique, ils emploieront une écriture calligraphique, mais dans un texte de littérature profane, ils sont susceptibles d'employer une écriture beaucoup plus proche de leur écriture naturelle d'érudit. Et comment faire le joint, réunir des manuscrits qui semblent présenter des écritures différentes, indépendamment de la recherche de tracés qui peuvent être significatifs. La codicologie, là aussi, et ses particularités dans les habitudes de script, comme les signatures des cahiers, les appels de notes ou autres, me paraissent pouvoir être des éléments très utiles. Voilà quelques aperçus de ce qu'un byzantiniste peut faire quand il examine des manuscrits du XIVe siècle en particulier, mais je ne sais pas parfaitement si cela correspond aux problématiques qui sont les vôtres avec les manuscrits que vous-même vous étudiez. En tout cas, merci de votre écoute et bien sûr, je suis ouverte à vos questions. Благодарим много, Брижит Мондрен, за този много интересен, според мен, доклад. Мисля, че тя първо е показвала как се е родила палеография в гръцки ареал и след това как в последното време, особено с репертуариум, без грешише копистен, как са работили, и тя е показвала и ограничение на тази работа. Мисля, че в последно тя ни каза, че е важно за идентификация на кописти да се погледна пагинация, как изглежда страница, странирането, значи типични няколко типични за копист особености, даже в нумерацията на тетради. И в последно тя каза, че има, разбира се, няколко кописти, които могат да ползват различни начини на писане в зависимост от съдържание. Например, могат да са по-калиграфически, ако съдържание е богословско, и по-нормални, когато е, например, съдържание е литература. Те, че тези проблеми ние вече ги намерихме, нали, в предишните наши семинари, и мисля, че е интересно да ги намерим и в византинист.
сега разбира се, че в 3 минути аз не мога да ви разказвам всичко това, което Брижит е разказвала, но сега ще я благодаря на френски и след това ще отваря и дискусията. Je veux te remercier, Brigitte, c'était très intéressant. Nous avons retrouvé de nouvelles choses et des choses que nous avons déjà discutées dans les précédents séminaires. Ça, c'est très intéressant et très important parce que nous trouvons dans le savant byzantiniste quelques problèmes que nous avons trouvés dans nos champs. Et toute ta présentation, Marco, je pense que nous aide. Oui. Et moi, je voulais te dire, je ne sais pas si une partie des auditeurs comprend mieux l'italien que le français. Tu peux parler, si tu veux, italien, je peux. Si c'est mieux pour le public, enfin, c'est comme tu. Bien sûr, je suis ravie. Résumer très brièvement les plus importants passages en bulgare pour que tu puisses comprendre le scheme. Така, има ли въпроси или изказвания? Да. Елизавета? Да, Марко, аз ще те помоля да превеждаш, разбира се, защото моя френски е много слаб. Първо, сърдечна благодарност на професор Мондрен за тази лекция. Много беше хубава. Разбира се, не съм проследила всичко и за това ще си позволя като начало, само за да не взимам и аз през цялото време думата, да задам един въпрос към нещо, което беше с по-малък детайл при нея. Но тя спомена за това, че в 14 век става много характерно писането на ръкописи от повече от един книжовник. Това ние го имаме в голяма част от нашите ръкописи. Да. И на мене ми е любопитно дали това е също процес в Византия, така наблюдаван, и на какво евентуално се дължи. Добре. Alors, Елизавета, те remercie beaucoup de ton discours, c'était très intéressant. Elle pose la question, elle a beaucoup de questions, mais elle pose une question. Tu as parlé du fait que dans le 14e siècle, il s'affirme une nouvelle, peut-être une nouvelle modalité dans laquelle les manuscrits ne sont pas écrits par un seul copiste, mais par un groupe de copistes. C'est ce que nous avons beaucoup aussi dans les mondes slaves. Alors, Elisabetta voulait demander, est-ce que c'était une chose typique pour le 14e siècle? Il y a quelques autres informations sur ces modalités de copie des manuscrits par des groupes. Oui, en fait, quand je parle là de la particularité du 14e siècle, ça touche aussi la fin du 13e siècle, disons le dernier tiers du 13e siècle, en particulier pour tous les scribes qui ont travaillé autour de cet érudit Maxime Planude que j'avais cité à deux reprises dans mon exposé. Mais il est certain qu'au XIVe siècle, quand je parle de travail en collaboration de plusieurs scribes, c'est pour copier un texte unique. À la Renaissance, on a aussi beaucoup de manuscrits qui sont copiés par un grand nombre de scribes, mais en fait, ce sont des textes différents qui sont réunis après coup dans un même livre. Donc, quand il y a là plusieurs copies, c'est différent, ça n'a pas la même signification que lorsqu'on a une seule œuvre, un seul ouvrage qui est copié par par un groupe important. Et c'est vraiment un phénomène très particulier au XIVe siècle parce que, comme je disais, c'est le moment
où l'on s'intéresse, où on redécouvre de nouveaux textes qui étaient restés dans des bibliothèques un peu poussiéreux, où l'on écrit et on a le sentiment qu'il y a ces cercles d'érudits qui ont en quelque sorte une émulation et je le vois tout particulièrement pour des manuscrits de contenu médical ou des manuscrits de contenu astronomique. On a l'impression qu'il y a une forme de jeu, c'est-à-dire que la copie du texte va de pair aussi peut-être avec l'étude du texte qui est reproduit dans un cercle d'amis qui donc combinent la copie, mais quelquefois aussi c'est un phénomène complexe dans la mesure où je pense qu'il y a un manuscrit intéressant pour cela, mais qui donne l'encyclopédie médicale d'Alexandre de Trales. Donc, c'est un ouvrage assez long. C'est un manuscrit conservé à la Laurentiana, à Florence. En fait, il est copié par 18 scribes différents et la répartition est faite entre eux en fonction de cahiers. Mais on voit ces cahiers sont les cahiers du modèle, c'est-à-dire qu'on donne à chacun peut-être 2 ou 3 cahiers et selon la façon dont chaque scribe écrit, avec une écriture plus ou moins large, plus ou moins haute, eh bien, les copistes du XIVe siècle copient un nombre de cahiers un peu différent où du coup, il y a des cahiers qui se superposent. Donc là, c'est vraiment un travail ensemble qui est une particularité, me semble-t-il, d'après mon expérience du XIVe siècle. Vous avez des phénomènes comparables pour les manuscrits que vous étudiez? Разбрали ты, Елизавета? C'est moi qui pose la question. Да, мисля, че основно успях да разбера, но за мен беше нещо, може би, като откриване на топлата вода. Начина, ако правилно съм разбрала, начина по който тя описва, че много кописти са преписвали, че те са преписвали според тетрадите на оригинала. Значи, което означава, че това не отговаря на тетрадите на... Марко, само да завърша, за да разбереш каква ми е поантата. Това е само коментар, нищо повече. Но това не отговаря на други въпроси. Кога се сменят копистите? Защото при нас не съвпадат, например, по тетради и ние се чудим защо изведнъж почва да пише друг копист. А ако това е системата, която професор Мондрен ни подсказва, че те преписват по тетрадите на оригинала, тогава имаме едно обяснение за тази, за нас, нелогична смяна на писачите. Така си да. Мисля, да това извадих аз от... Благодаря тя много. Тя не каза, че винаги е така. Не, че винаги е така, но... Каза, тя е показвала един пример в този ръкопис, който се намира в Флоренция. Да, медицински... Обаче интересно, тя каза, да, че... 18 или колко души каза, че се преписаха. Да, 18 души, да. Тя каза, че е типично за 14 век, което е различно, например, от по-късни ръкописи, е, че според нея това е направено от една група на ерудити, които са се занимавали с текста и са изкопирали, не само са изкопирали, докато да, в ясно, по-късните ръкописи те са само се са разпределили работата, докато в 14 век не е само работа на изкопиране, а изкопиране е част на една по-голяма работа на изучение на текста. Да, и това също ми се струва интересно и за нас. Това е много важно също, да. Много интересно и това е много важно също, да. Много благодаря. Ало, une chose qui Elisabetta a souligné est ce fait que les copistes sont divisés, le travail... Alors, les textes correspondent au cahier original de l'original et non pas au cahier de la copie. Et ça peut expliquer des problèmes que nous avons, que nous ne comprenons pas
pourquoi le copiste s'est change à la moitié de la page, à la moitié de la phrase aussi. Nous avons beaucoup de ces cas et peut-être que ça c'est une explication pour nous aussi. Oui, ce serait très intéressant, effectivement, oui, de pouvoir rendre compte, parce que c'est vrai que, mais dans certains manuscrits byzantins, c'est plus complexe parce qu'on peut avoir des changements de main sur une même page simplement pour quelques lignes. Donc, il y a aussi, on a l'impression quelquefois, un jeu dans le phénomène de copie. Heureusement, ce n'est pas trop souvent, mais aussi, c'est ce que je disais, quelquefois, la différenciation des mains est un phénomène très complexe à mettre en évidence parce que on voit qu'il y a aussi une habileté à écrire qui permet à certains scribes, dans le cadre même d'une même page, d'adopter des styles d'écriture différents. Donc, il y a d'une part, comme vous dites, ça peut être une très bonne explication de penser que si sur une page, il y a un changement d'écriture, c'est peut-être justement, oui, que dans le modèle, on tournait la page ou bien qu'on changeait de cahier, parce que une fois, ça peut être simplement tourner la page, on arrive sur un nouveau recto, par exemple, il y en a un copiste qui termine un verso, puis il y a des bifolias qui étaient remis à l'un, bifolium central de cahier. Mais en même temps, on voit que quelques copistes s'amusent eux-mêmes à modifier leur écriture. Et c'est quelque chose de difficile, évidemment, à mettre en évidence, mais que l'on peut mieux authentifier quand on le voit mise en œuvre dans plusieurs manuscrits, ou au moins, si ce n'est pas seulement dans un livre, mais qu'on trouve le même phénomène avec les mêmes mains dans un autre livre, cela met sur la piste que peut-être, quelquefois, on détermine un trop grand nombre de copistes, ce que par prudence on a raison de faire, mais il faut peut-être toujours songer qu'il y a globalement moins de copistes qu'on aurait cru au départ. Mais la prudence, oui, c'est bien de distinguer des écritures, mais les écritures ne correspondent pas toujours à plusieurs mains, peut-être. Μισε και η νέα είμαμε σε αυτό το ναλί, έτσι. Και πονιάκουγα σε σλούτσο και βαφεντινά στράνιτσα σαν ο δύο-τρι ρέντα σαν ραζλίτσνι, η νέα σε κολεμπάεμ, δαλί, εσύστη ακουπίσκο, ετο έ πρόστο προμενίλ начин на писане или са се подиграли да си пишат няколко реда по ред. Интересно е, дали, наистина, дали това нещо се случва в различни ръкописи. Това може да ни показва, че е същия копис, който просто промени начин. Това каза сега професор Мондрен. И обаче е интересно, че и при нас се случва тези неща, нали? Да, много благодаря на професор Мондрен. Предай, аз за съжаление ще трябва да напусна срещата. С голяма благодарност към нея за тази изключително интересна лекция. Ви завиждам за дискусията, която... Eh bien, alors, Elisabetta, remercie très, très, toi, te remercie beaucoup, beaucoup. Pour cette leçon, parce que c'était très intéressant. Elles doivent abandonner la discussion parce qu'elle a des problèmes, de choses familières, mais elle regrette aussi d'abandonner la discussion, mais elle a dit qu'elle était très intéressante, le séminaire. Imali drugi vprosi ili iskazvanje? Има ли други коментари? Alors, peut-être qu'il n'y a pas des autres
question. Est-ce que moi, je peux en poser une, Marco? Oui. Quel pourcentage de copistes ayant signé de leur nom trouvez-vous dans les manuscrits que vous étudiez? Quel pourcentage de... Il y en a, oui. Y a-t-il beaucoup de manuscrits dont... Parce que c'est ce que j'ai essayé aussi de montrer, en fait, l'identification de copistes, enfin, il y a deux facettes. Il y a identifier un copiste auquel on donne un nom, mais on peut aussi identifier des scripts qui copient beaucoup anonyme. De manuscrits et qui sont anonymes, au moins pour le moment, et dont on peut espérer qu'un jour, ils auront un nom. Mais vous arrivez à circonscrire dans quelle proportion? Vassia, имаш ли идея ти какъв процент? Значи тя попита какъв процент... Аз не можах да разбера целият въпрос. Да, въпросът е какъв процент на кописти ние познаваме? Значи, какъв процент кописти са си подписали? Горе-долу. Защото... Какъв е процентът на подписаните ръкописи с имена някакъв? О, никак не е голям. Никак не е голям, защото... Се не съм по-боку. В начални, в ранните, особено от 13-ти, първата половина на 14-ти нямаме толкова подписи. Действително, втората половина на 14-ти, като че ли вече повече, има и 15-ти. При нас е малко по-различна ситуация. В 13-ем сиекли и о комансамон до 14-ем или една П и пуи она плу до субскресион. И оси дан ле 15-ем сиекли. Но, веднага ще кажа, това зависи и от броя на запазените ръкописи. Нашите масиви са 14 и 15 век, 13 и 12. Тук е голяма разликата в количеството запазени ръкописи спрямо гръцката традиция. Моля да преведеш, защото моя на френски не мога. Да, спокойно. Alors, elle dit que il dépend aussi de le nombre de manuscrits qui s'est conservé, parce que nous avons plus de manuscrits conservés de 14e, 15e siècle que de 3e et 2e siècle. Peut-être qu'il y en avait moins en 12e et 13e, mais il y a aussi des problèmes de conservation, alors que nous avons plus de manuscrits plus tard. Et c'est pourquoi peut-être qu'on n'a plus de manuscrits sous-signés. Et peut-être, c'est peut-être lié aussi partiellement au fait que culturellement et enfin, politiquement, au XIVe siècle, il y a une période justement où l'Empire est fleuri et en pleine force. Et donc, justement, on produit d'autant plus de manuscrits qu'on peut le faire, peut-être. Est-ce aussi ça? Non. En tout cas, à Byzance, je pense que cela joue un rôle. Parce que aussi à Byzance, vous avez plus de manuscrits en 14e siècle, n'est-ce pas? Тя каза, че вероятно има и влияние от политически и економически причини. Абсолютно, съгласен съм напълно, да. Да. И че в Византия същото е имало повече ръкописи от 14 век, отколкото... Да, така е, така е. И оси ле рол де ла карти, де папие. Сигурно и това е, да. Le papier est plus convenient économiquement que le parchemin. Alors, on peut produire plus de livres, je pense. Oui, mais là, tu as raison tout à fait, mais ça joue plus, disons, entre le 12e et le 13e. Enfin, mais dans la seconde moitié du 13e siècle, on copie déjà beaucoup sur papier. Donc, en fait, s'il y a une différence vraiment entre le 13e et le 14e siècle, il y a aussi d'autres éléments peut-être qui entrent en compte. Може ли чрез тебе още един въпрос, за да не се мъча на италиански да я затруднявам? Византийската традиция познава тези стилизирани почерци,
нали, стил тип Одегон, тип различни стилове, при които много писачи един вид като мода подражават и пишат в този стил. Когато нямаме колофон в тия случаи, как би се процедирало, за да се идентифицира отделния писач, освен по белезите, които тя тук вече изброи, има ли в този тип, защото при нас това го няма, освен в Търново, да речем, 14 век. Mm-hmm. И по-късно средногорските почерци, но там работата е друга, те са повече подписани. Ага. Alors, Vasya dit que il y a de, dans le monde byzantin, il y a des modes de typage d'écriture divers. Écriture canonisée. Que oui, comme on peut identifier les copistes qui sont un peu plus qui écrit dans cette mode d'écriture. Alors, c'est plus difficile de l'identifier. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Toi, indiqué quelque chose, la mise en page, mais toutes ces choses peuvent être conditionnées de typage d'écriture. Je parlais par exemple, c'est très efficace par exemple pour les manuscrits plus tardifs du XVIe siècle de regarder la façon dont les scribes mettent les signatures à la fin ou au début des cahiers, tu sais, pour séparer, je pense que oui, dans les manuscrits slaves aussi, il y a les signatures, la numérotation des cahiers ou les éléments qui indiquent au relieur comment il devra agencer les différents cahiers dans le livre. Et ça, souvent, il y a un côté quand même assez personnel, pas exclusivement, mais ça peut être un élément, l'emplacement, c'est la forme des chiffres, puisqu'en général, c'est une numérotation avec des chiffres. Donc, la façon dont les lettres sont écrites, isolément, l'emplacement où elles sont mises, pas seulement si c'est dans la marge supérieure ou dans la marge inférieure, mais ça peut être plus à gauche, plus à droite. Il y a ça, c'est un des détails. Et de la même manière, je disais, oui, pour des écritures un peu calligraphiques ou bien qui entrent dans un style d'écriture, oui, s'il y a des annotations, prêtez aussi la manière d'écrire les initiales, le mode de rubrication. Est-ce la couleur de la rubrication? C'est pour ça que je dis quelquefois, regardez les manuscrits, on voit la couleur de l'encre. La couleur de l'encre entre deux copistes qui ont des écritures très proches, quelquefois, ils n'ont pas exactement la même couleur d'encre ou ils n'utilisent pas la même encre rouge pour rubriquer. Et là, ça peut être quelquefois un élément qui aide à essayer de distinguer. Mais c'est vrai que c'est difficile. Това разбрах. Много благодаря. Това е един проблем, за който и ние сме говорили, че трябва комплексно да гледаме ръкописа. Тоест, включително и елементи на декорацията. Да. Много благодаря. Васи, те ремерси боку. Има ли други въпроси? Alors, notre temps est terminé. Nous te remercions vraiment beaucoup parce que c'était vraiment intéressant. J'espère que notre collaboration peut continuer et que nous pouvons discuter avec toi quelque chose quand nous avons quelques hypothèses un peu plus tard. Peut-être que ça serait utile de la discuter avec toi, si tu es disponible. Très volontiers. Dans la mesure de mes capacités à le faire. Oui, c'est pourquoi nous te cherchons, pour te capaciter, non seulement pour te sympathie et pour te bon cœur, mais aussi. En tout cas, merci de votre accueil à vous tous. Merci. Mais d'autant plus qu'il est plus tard pour vous que pour moi. Oui, c'est septembre chez nous déjà, oui.
Така, значи много благодарим наистина Брижит за тази за този семинар. Аз предлагах, аз се надявам да можем да да продължаваме сътрудничество с нея, особено когато ще имаме може би няколко хипотези да ги споделим, да ги дискутираме с нея. Мисля, че ще бъде много полезно за нас. Сега, следващия, ние вече трябва да свършим, защото вече е 7 часа. И следващия семинар ще бъде на, на 21 октомври и с нас ще бъде този Пауло Елиотери, за което Брижит Мондрен е говорила и който ще ни говори пак за този реперториум. Той си е работил за трети том за реперториум, докато Брижит Мондрен е работила за четвърти, което не е излязъл, нали, разбрахте. Да, да. А той е говорил, е работил за трети и, и ще ни... Аз съм му питал да ни говори какъв е, каква е методология, която те са ползвали и какви са, нали, ограничения, които са се виждали след като е излязъл книгата. И, и така, те, те че той, ще го, той ми, ми обеща да, да говори на италианско-английски, нещо такова. Те, че се надяваме да го разберем. Хубава вечер на всички. Още веднъж благодаря на професор Мондрен и довиждане. Alors, bonsoir. Bonsoir. Encore une fois. Merci. Nous te remercions de tout cœur et à tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.